Joie et anxiété. L'ambiance annonce bien la séparation avec un climat parfois tendu. Et judiciaire Océline Nyangosa occupe la première place de cet établissement scolaire avec une moyenne de 16,74. Pourtant, ce sont les résultats qui ont différencié les apprenants après des mois de travail scolaire. Le pourcentage il est au-dessus de la moyenne, mais nous voulons en principe l'excellence. Mais malheureusement, il y a certains élèves qui pêchent toujours. Mais en un mot, j'ai le moral aussi satisfait des résultats qu'ils ont présentés. Des progrès pour certains apprenants qui se réjouissent. D'autres, par contre, réfléchissent déjà sur les objectifs pour l'année scolaire prochaine. En fait, je suis très contente de tous les efforts que j'ai pu fournir durant 9 mois et les voir aujourd'hui que ça a payé. Je suis très contente. En fait, le secret, c'était juste d'être assidue au cours, faire mes devoirs, écouter les professeurs, appliquer tout ce que les profs me disaient. Et c'est ce qui m'a ramené aujourd'hui à ce résultat. L'année prochaine, je compte être en terminale et je compte faire de mon mieux encore pour être admise et être bachelière. Visiblement satisfait, les parents ont manifesté des sentiment d'un devoir accompli. Un avis partagé par les responsables du complexe scolaire Emmanuel. Les enseignants, sous notre impulsion, nous leur avons toujours demandé d'interroger toutefois, soit oralement, soit par écrit. Donc c'est-à-dire que les devoirs de contrôle, les interrogations écrites, les devoirs à faire à la maison, c'est ce qui fait notre force. Si ceux qui ont réussi leur passage en classe supérieure pensent aux nouveaux défis, chez ceux qui reprennent la classe, on recrute les faiblesses de l'année scolaire écoulée. Une fierté pour ses élèves après un travail remarquable au milieu de bien d'autres apprenants. Nous avons le meilleur élève au primaire, Tivika, en classe de CE2. Tivika. Nous avons le meilleur élève au collège, Bitindou de Rosia, classe de 6e. Elle a fait 16,16. Nous avons au lycée, Lon Mukuti, Perside. Lon Mukuti Perside, elle a fait 15,78. Elle est en classe de première. Une joie pour certains, mais une déception pour d'autres élèves. Je suis un peu déçue de ne pas obtenir la première place. Mais deuxièmement, je me sens bien, mais prochainement, je ferai des efforts. Un peu contente d'un côté et de l'autre, je ne suis pas vraiment contente. C'est ce que j'ai eu à faire pendant toute l'année scolaire. J'ai bossé dur pour faire cela et j'en suis vraiment ravie. J'ai mérité mon travail, je me suis donnée à fond. Ce n'est pas pour rien que je viens à l'école. J'ai commencé depuis octobre, donc c'est normal que je puisse être première. Je lis à chaque instant. Après 2 ans d'existence, l'école Sion Petra envisage l'ouverture d'une classe de terminale l'année prochaine. Celle-ci accueillera la première promotion d'élèves depuis la création de cette école. Merci de ce que tu nous as protégés durant toutes les 9 mois de cette année scolaire 2023-2024. Des mots de prière qui ont retenti ici, où les cœurs battaient à la chamade avant la publication des résultats. Au milieu des prestations diverses, notamment musicales et théâtrales, le complexe scolaire Emmanuel IV a bien voulu honorer les meilleurs apprenants. Nous sommes contents du fait que les enfants ont bien atterri en douceur cette année scolaire et surtout les parents qui ont répondu présents à cette invitation pour faire plaisir et honneur aux enfants et aussi au personnel de l'établissement. Nous remarquons que tous les enfants sont contents avec le minimum que nous avons pu mettre à leur disposition.
sur toutes les lèvres des lauréats, de la satisfaction mêlée à la gratitude. J'ai travaillé dur, voilà que je suis récompensé, donc je suis heureux, je suis ému pour ça. J'ai vu le fruit de mes efforts, ça fait du bien lorsque tu travailles et tu vois que tu as eu une récompense, donc je me sens bien. Mon secret, c'est juste de travailler, de ne pas paniquer. Il y avait beaucoup de concurrence, mais j'ai tenu bon. Je dirais à mes enseignants que je suis très reconnaissante parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Au-delà des prix aux meilleurs apprenants, le complexe scolaire Emmanuel a également bénéficié des bons d'achat, un don de la société Régal Group.